un personnage, je joue avec un peu, et un nouveau personnage parce que l'autre il était pas tellement puissant, je trouvais pas tellement bien. C'est un jeu qui que je joue beaucoup récemment. Il y a plein de gens qui jouent, comme il est sorti il pas très longtemps, il était peut-être sous PC je crois, oui. Juste avant, si vous entendez des bruits de grincement de mon micro, peut-être, c'est à cause que j'ai mon condensateur alimenté. Alors ça se peut que vous entendez bruit. Bon, le jeu, c'est un jeu que j'ai commencé à jouer il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis déjà le level 19 avec ce perso. C'est le plus haut level que j'ai eu sur mon perso, sur ce perso. Le maximum level du jeu, je sais pas c'est combien. Je jouais avec un personnage qui est un. C'est pas la classe. S'ils le disent. C'est un guerrier défensif. C'est une femme demi-elfe. L'équipement, c'est un équipement de base. Là pour l'instant, j'ai pas vraiment d'équipement de cheaté. Mais le truc qui m'énerve, c'est à chaque fois que je suis autour des équipements rares. Parce que là, c'est des équipements de rechercher plutôt ça le parce que comme c'est vert après rare c'est bleu à chaque fois que je tombe dessus c'est toujours sur des classes que j'ai pas ce que j'ai pas c'est une couleur rouge après bon là c'est mon équipement on pourrait bien ça c'est mon base là c'est mes pouvoirs mon basique aussi mes talents mes atouts mon compagnon qui est en entraînement il faut attendre 6 minutes pour qu'il revienne. Si pour augmenter son level et sa puissance soit de l'ouest, c'est pas ce level 10, il pourra peut-être. Ouais, je crois que si passe level 10, je pourrais débloquer ça. Je pourrais lui mettre un truc de plus parce que au moins il deviendra plus puissant. Celui-là, ça veut dire. Ah oui, plus de 20 de rétablissement. Sinon, si j'ai des autres places. Ouais, j'ai des autres places, j'en ai deux autres. Après j'ai ma monture, j'en ai deux des montures. Une qu'on me reçoit gratuitement c'est celui-là. Et la deuxième c'est le cheval. Leur vitesse ça change rien entre les deux, c'est la même vitesse. C'est juste que je préfère plus prendre le cheval. Attendez, j'ai rien oublié. J'attends le level 20 pour prendre ça. Ouais, c'est une épée puissante. Après je peux beaucoup prendre ça. Ouais, elle est puissante. On va faire une mission aller à la ruine de. De quoi? De Gladka. C'est où ça? Je sais pas si c'est où. Niveau minimum ou pas. Ouh, pour être trop difficile pour. Ouais, vous avez peut-être raison. Entrer dans un tour de peste. On va attendre de voir son prochain émission. On va prendre celle-là une fois. Elle est trop dure aussi, elle est trop dure elle aussi. Ouais, elle est sur l'autre. Hein. Vous savez dans ce, avec ce perso c'est juste qu'en fait je suis un peu trop cheaté avec donc je vous explique les potions je n'utilise jamais et même ah ouais c'est ah oui ça vous avez déjà qu'une mission je sais pas ce qui se passe il y a une explosion entre le genre j'ai pas très bien compris ah ouais mais en fait what à la place. Je crois que vous les aussi les flottes. What the fuck? Pourquoi je fais pas comme ça? Ah oui, pas tant de mecs. En fait, ça c'est la bénédiction de je sais plus quoi, ça fait comme un mec. Je sais plus comment il s'appelait. Sylvanus. Bon, je sais pas trop c'est ça. Et en fait, grâce à ça, vous pouvez débloquer souvent des trucs comme ça. Bon, moi j'étais invoqué hier. Et bien sûr, des minutes, hein, je crois, le premier c'est. D'abord c'est 10 minutes je crois, après c'est 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes je crois. Non. 10. 15. 20, 30, 60, 90. Voilà, c'est ça je crois, je suis pas sûr. Mais bon, attention. Nous allons sécuriser la zone et ce n'est qu'après ça que nous entrerons dans la tour. Razad sait que nous arrivons et je ne veux pas de surprise. Cela prendra trop de temps. Il sait que nous sommes en route et je ne laisserai pas s'échapper le sagouin qui a tué ma femme.
Je trouverai une autre entrée. Linklater. Linklater, ne dispersez pas l'équipe. Enfer et damnation. Il est parti. Bon, on y va. Suivez-moi tous. Restons groupés. Allons-y. En fait, ce type-là qui est parti, lui, en fait, c'est... il avait une femme. Et en fait, le mec qui a récupéré ça, en fait, il a tué sa femme. Au début, il dit, tu veux la protéger. Énervant sur les montages sur PS4 parce qu'en fait c'est pas les montages qui sont énervants mais c'est plutôt le temps qu'il met sur PS4 à poster. Ok, vous voyez par exemple moi j'avais des postures comme ça 1000 et cela ça me donne 2000, voilà c'est pour ça que je sais vendu. Ok, au level 30 je vais faire la même chose mais avec les postures de ça c'est liquide, j'en ai mais je ça gaspille trop de place. Regardez, j'ai que 2 sacs hein. Parce qu'en fait il y a des sacs et le maximum en fait je vous explique là on peut avoir plusieurs sacs mais moi j'en ai que deux. Le deuxième j'ai reçu vers le début du jeu mais le premier ça on l'a dit automatiquement mais voilà il est venu vers moi. Regardez. C'est level 10 tout de suite. C'est énervant, il doit passer level 10 là. What? On peut monter en bois. Regardez, il est dans le bois, il faut pas aller en fait. Attends, est-ce qu'il faut parler à quelqu'un? Ah bah oui, il faut parler à quelqu'un. Idiot. Quand on parle à la mission, il faut parler à quelqu'un. Et il est où? Il est là. Tu peux ouvrir. J'ai trouvé Dorothea! Elle est en vie, mais elle est coincée ici. Razan est en route pour essayer de lui jeter des sorts, mais je ne peux pas ouvrir ses portes. Allez-y en passant de l'autre côté. Il y a des portes secrètes que j'utilisais autrefois. Trouvez-les, revenez ici, et nous ne laisserons pas s'échapper Razan. Ok. Ça va, je m'en dis tiens. Ça, c'est un compagnon, c'est pas un joueur. Au début, je ne l'ai pas appelé magicien, mais j'ai cru magicien, après j'ai craigné. Le problème, c'est... En fait, c'est magicien 2, il s'appelle maintenant. Et à la place de faire annuler, c'est-à-dire re-essayer à écrire, j'ai fait entrer. Yeah.
dire qu'on a quitté le jeu. C'est quoi que... C'est quoi ça? Oh non. Ouais, je sens la grosse énigme de suspension. Et c'est là? Ouais, c'est là. Je vois la porte secrète. Pourquoi elle est pas allumée? Regardez, c'est pas rouge. Voilà. J'étais sûr parce que ça, c'était pas rouge. C'était un peu étrange. S'il fallait tous les mettre sombres, je les aurais tous mis sombres. S'il fallait tous les mettre rouges, je les mettrais tous sombres. Ce n'est pas un piège, Joseph. C'est une expérience. Maintenant, tuez vos amis pendant que je prépare ma propre transformation. En fait, j'ai fait une mission boss, c'est rapidement. Moi, tu ne pars plus tôt, j'arrive plus de dégâts de d'un coup. Vous savez, il était rond et en bois. Celui-là il commence à devenir en fer. C'est quoi? C'est celui-là que j'ai déjà. Je veux pas les vendre. Je veux pas les jeter par terre. Je vais les vendre. Sauf si je suis full et je suis apte d'un boss. Je les jette par terre hein, parce que s'il moute un truc super bien. Hein. Je peux pas payer parce que comment dire, j'ai pas payé un jeu que je viens d'acheter, que j'ai téléchargé pour avoir des clés. Ça sert strictement rien, je crois qu'on peut les looter, mais je sais pas comment faire. Si on a encore ça, le kit des blessures mineures qui sert à pour les blessures que tu fais grâce à des pièges.
tué, non? Mixter. Mais lui, c'est le mec qui s'est tapé, non? Je ne sens pas lui. Pas gaffe à lui. Je sais pas pourquoi, je me sens pas. Même il lui fait la mort. Allez, mais non! C'est quoi ça? Il a fait un peu de mal. Ok, les stats sont tous retroussés. Attendez. Larsen. Je l'ai fail. Il m'a plus, je crois. Moi, si ça me gaspille, ça me. Je sais pas pourquoi on n'a pas des pouvoirs comme ça, nous aussi pour faire spawner des monstres. Parce que mon église de casse de magicien, il y a ce magicien manipulateur que j'ai, qui est sur mon autre perso. Magicien destructeur, je crois, un truc du genre. Et je sais plus. What the... Pourquoi je sens le sud? La porte est ouverte maintenant. Waouh, c'est un boss, on paraît que c'est un boss, c'est sûr. Une porte qui s'ouvre à l'endroit qu'on était avant. Les escaliers qui montent en haut. Un truc très imposant. Encore. Maintenant je suis fort contre ça, vous savez, parce que à chaque fois je garde pourtant la défense parce qu'il y en a beaucoup et comme ça, mais c'est juste parce que je pense que je vais être tout résistant le plus fort, mais ça sert un peu à rien parce qu'après c'est on va se consoler pas Lixter. Oh, il me fait encore confusion, je suis trop le boss. Et pourquoi je sens c'est un dragon? Je sais que le boss du jeu c'est des dragons les plus forts, et avec ce crème encore plus je sens c'est un dragon. Ouais, arrêtez de me faire des bruits comme ça. Pourquoi je sens trop ça un dragon? Oh là là.
suis pas prêt pour affronter un dragon. Si tu sors. En gros, bah non, c'est peut-être pas un dragon, peut-être un serpent géant. What the hell? L'avantage avec son dégât à lui, c'est qu'il peut healer. D'accord, bah, c'est moi je rêve le jeu de me régénérer. Lui là-bas. Non, je crois que j'ai oublié de me régénérer au puits. Idiot. Est-ce que ça se ralentit automatiquement? Non, moi je me régénère pas automatiquement, mais lui si. Peut-être si, peut-être parce que j'aurais rétablissement, mais. Ah non, c'est pas régénération, j'ai que rétablissement. Ah oui, c'était le truc qu'on avait en bas, vous vous rappelez? Le bâton d'Arpiste, c'est pas une truc. Voilà, là c'est la scène qu'on avait. C'était la scène qu'on avait vue. Hein. Pour ouvrir la porte. Oh putain. Oh, oh non, non, non. Ah, ça c'est une compétence que j'ai. Putain, pourquoi je sens trop qu'on va tomber sur des boss? C'est à peine un secret, je pense que c'est ça qu'on avait vu avant, il y aura un truc où il y a des bestioles dedans. Ah, vous avez raison. C'est des squelettes? C'est quoi ça? C'est là qu'on est avant. C'est pas vraiment on peut descendre ici. Non, on peut même pas descendre ici. C'est trop mal fait. Oh non! Oh là! C'est quoi ça? Ça m'a fait peur. J'aime pas les bestioles. Rien n'est plus pire, c'est des araignées. Téléportation, moi j'aurais cliqué grimper. Bon, en même temps, c'est pas vraiment un free to play aussi. C'est un jeu gratuit. Vous savez pas c'est quoi un free to play? C'est un jeu gratuit. Non, on va pas aller là-bas. On va y régénérer ma vie. Parce qu'ici, on va prendre un boss. Putain, je le sens mal. On va perdre la moitié de notre vie là. Eh, faut que je vais gaffe aussi. Hein. Non, sérieusement, si on affronte un boss, faut toujours être préparé. Pour l'instant, les boss que j'ai affrontés, c'est que des boss comme ça, les petits comme avant, la Lynx prestifiée, c'est que des boss comme ça. Si on affronte un dragon, ce sera mon premier boss. Hein. Parce que j'aurais dû dire qu'il y a des dragons, on peut les affronter, et ils sont pas très puissants. Je sens que ce casque va m'aider. On va enlever le kit d'exploration parce que. Genre, putain, c'est exploration, tu vois. Hop, identifier qui les meilleurs. Je dirais quand même il est un peu le mien. Ça va le garder juste, peut-être qu'on l'expliquera plus tard au level 20. Compagnon il a toujours. Pourquoi chaque fois je suis obligé d'ouvrir mon truc? Ah oui, c'est ce jeu. En fait, vous avez que je vous disais après tout, c'est des jeux gratuits. Et aussi, je vous explique aussi qu'en fait, les free-to-play, c'est pas vraiment des jeux trop compliqués. Comme les Call of, les autres jeux du genre. Ça, c'est des jeux vraiment, ils ont fait vite. Fait là-bas un truc. Vous sentez pas le truc qu'il faudra passer par là-bas? Ouais, il faut passer par là-bas. Vous savez ce qu'on va faire? On va arrêter là. Vous ne pouvez pas attendre, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas pourquoi on fait. J'ai envie d'aller tuer un boss. Non, c'était là que j'étais parti au début. Bon, allez, on va faire ça. On va arrêter la vidéo. On va l'arrêter. On va peut-être faire une vidéo pour le boss, mais on verra.